Donc là, on va faire une base. On va faire une base ici. Une base de survivants. Nous sommes en 2077. Cyberpunk. Ok, l'ouverture à la Stargate. Stargate SG1. Ok, donc là, ils s'occupent du camp pour dormir. Ça, c'est bon. Et nous, on va s'occuper de l'entrée du camp. Évidemment, le camp de survivalistes. C'est un peu une entrée en hauteur, évidemment, pour éviter que les zombies rentrent. Voilà. Bon, c'est bien fait. Franchement, sur 10, je me noterai à 800. Donc là, on a la porte d'entrée qui est vraiment très belle. Vous avez vu la porte comment là, on est vraiment dans un niveau V2 de la première base qui devait sortir en vidéo, qui malheureusement j'ai supprimé le rush. Donc là on l'a imaginé la tristesse de supprimer le rush de l'année. Je sais pas si je mets les tentes ou juste les sacs de couchage là. Les tentes c'est roleplay quand il pleut, tu fais comment quand il y a de la pluie acide nucléaire. Un super travail, une entrée magnifique. Ici il nous faudrait des gardes. Je vais faire un petit recrutement. Recrute 2 gardes. Voix grave. Je précise toujours parce que c'est un peu chiant. Souvent ils ont des micros de merde. Au camp de survivaliste. Grosse banane forêt. Pour construire une cuisine. Parce qu'il va falloir avoir le cuisinier chez nous. Parce qu'il faut qu'on soit pas du tout dépendant. Dépendant des technologies. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes garde? Oulala. Vous derrière, je pourrais me mettre ma main coupée que vous avez une voix d'enfant. Parlez. Cassez-vous! C'est bon, rentrez. Le chaud, il rentre, allez. Allez, le clodo. Quelqu'un essaie de jouer avec les boutons, monsieur. Voilà, se mettez-lui une balle de pompe. Bonjour, monsieur. Nous ne recrutons plus de garde pour le moment. Néanmoins, nous recrutons un cuisinier. Est-ce que vous voulez qu'on vous change de vêtements de cuisinier immédiatement? Très bien. Pizza YOLO. Très bien, regardez ici. Je vous ai préparé vite fait une cuisine. Vous pouvez mettre votre four derrière. Mettre à la rigueur une petite table ici. Bon, monsieur, tenez-moi bien. Si vous voulez pas que je vous tue, vous savez faire de la vide, monsieur? Mais non, monsieur. Monsieur, je suis arrivé là pas en total. Donc c'est rien faire? Rien? La weed c'est facile en plus. C'est rien faire? Tenez, regardez, je vous ai acheté une plancha. Monsieur, c'est un camp de survivants ici. Nous survivons à la bombe nucléaire qui va péter. Tu veux être sérieux? Réfléchissons à tout ce qu'on a besoin. Venez survivre dans le camp de survivants réservé aux grandes personnes. Qui sait ce que le monde nous réserve? Comme une nuque ou évidemment une attaque zombie, ça c'est sûr. On a un souci, les trois personnes qui sont stationnées. Là, les trois véhicules en face. Enlevez-les, monsieur le policier. Plus personne n'aura besoin de véhicules quand Dieu aura fait tout péter. Bon, bah, allez, rentrez tous là. Bonjour, allez, une fois rentrez, vous faites. Je suis médecin, vous avez demandé un médecin. Oui, rentrez, monsieur le médecin. Rentrez, monsieur Théo, si vous rentrez. Si vous rentrez, vous ne sortez plus. Mais pourquoi il y aurait la police dans un camp très gentil? Oui, monsieur le maire. Oui, c'est ici l'abri de sécurité. L'abri de sécurité numéro 1 de France, effectivement, monsieur le maire. Vous voulez vivre avec nous, monsieur le maire? Très bien. Allez-y, rentrez, oui. Monsieur le maire. Monsieur le maire, revenez. Monsieur le maire, suivez-nous. Rentrez en dessous, monsieur le maire. Rentrez en dessous. Vous pouvez vous faire un lit ici, monsieur le maire, pour votre sécurité, évidemment. Vous êtes quand même monsieur le maire, ça c'est sûr. Vous êtes là pour nous sauver, parce qu'il risque peut-être d'avoir des accidents. Je me HP, je pense. Hein. Parce que si je meurs, ça serait vraiment triste pour la colonie. Vous êtes là, c'est pour survivre, messieurs. Parce que quand une bombe va exploser, vous serez bien content d'être dans ce camp, au vu de tous. Mais moi, je sais rien faire. On est sûr qu'on va survivre. Il a raison. Parce qu'on a un bunker, on a le seul bunker de la ville. Attention, gros lard. Non, mais déjà, moi, je vais crever, monsieur. Je suis désolé, mais moi, je sais rien faire. Évidemment, monsieur. N'oubliez jamais, nous sommes ici parce que nous avons la foi de Dieu, la foi qui nous a prévenu d'une terrible attaque nucléaire. Dieu est puissant, bien sûr. On ne sait pas ce qu'on va devoir construire dans le futur. Peut-être qu'on va devoir se reconstruire nous-mêmes avant de reconstruire quelque chose d'utile. Monsieur, j'ai des informations, monsieur. Voilà, monsieur Lassalle, venez parler dans votre arrière-boutique. J'ai une vision. Les aliens sont venus comme ça, ils ont dansé sur mon lit. Ils ont dit qu'une nuque pèterait au port. Vous voulez que je vienne vous aider? Poussez-vous, arrêtez de me coller. Vous voulez que je vous tire dessus avec mon toolgun? Aïe, aïe, aïe. C'est bon, je me suis armé une M249. Il y a quoi maintenant? Ah, vous êtes venu pour l'attaque nucléaire, monsieur? Venez, monsieur. Parce que nous, on va tous mourir si vous rentrez pas dans le camp. Bon, monsieur, moi je peux vendre des substances ici. J'espère surtout que vous avez arrêté de crier, monsieur, si vous voulez pas vous prendre une balle. Parlez calmement. Ok, monsieur, le projet bombe nucléaire va péter dans 2 minutes. On risque d'avoir des grands brûlés, des morts, des sodomites, des gens qui ont essayé de manger leurs collègues, des zombies. Comment, monsieur, j'entends des choses qui... Tout le monde le sait, et ça parle sur les forums qu'il y a une bombe nucléaire qui va être pétée le 4 mars à 21h. Oh, il y a mon ami derrière! À 20h21.
Ah, on a un vendeur d'armes, on a un vendeur d'armes. Oh, oh, moi aussi. On ouvre feu. Ils le savent. Ah, le gouvernement est au courant, il vient de faire un couvre-feu. Ce qui crie, on tue, on crie, ce qui crie. Rentrez dans le bunker. Allez dans le bunker, vite. 100% ça rentre pas. Moi je reste extérieur, moi je suis là un combattant. Monsieur, vous avez encore le temps de courir. Arrêtez de vous jeter dedans. Se jette dedans. Normalement ça devrait. Ça devrait péter. On va regarder l'explosion. Ouh, le nuage nucléaire arrive. Ouh, bah ça, ça c'est mieux là, d'un coup là. Vous pouvez sortir, sortez. On a survécu. Calmez-vous, pas forcément fini, monsieur. On sait pas ce qui nous attend dehors. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Restez pas là pour regarder. Il y a que les tireurs qui ont le droit d'être ici. Petite balle dehors. Monsieur Maid, regardez ce qui nous attend dehors. Oh putain. Petit Glock, restez pas devant. J'aurais été bien au FBI là. Oh là là. Je crois que je vais me faire tirer dessus par un de vous. Mehdi est parti où? Mehdi s'est fait manger ou quoi? Vous entendez ce bruit de faut courir? Oh putain. Recule. Faut qu'on tire, On vide le chargeur complet du M249 dessus. Ok, ça c'est sûr. Il y a un survivaliste qui nous tire dessus tout à l'heure. Voilà, hey, montez derrière, debout. Maid, putain, debout. On l'abandonne pas. Hein. Non, on se pète pas, genre tu restes debout dans la caisse. Hey, saute, Grolard. Grolard, merci. Welcome Maid. To the jungle. Maid, viens. Monte au-dessus, Maid. Attends. On va faire, des attaques. Sont les aides. Oui, reste un Z là-haut. Un Z de moins. Ça tient à l'intérieur de la base, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font en bas? Vous pouvez sortir, n'en faites pas, il n'y a aucun risque, on tire mais c'est pour rigoler. Tant que vous restez dans la base, tout va bien, monsieur. Et sortez, messieurs. Vous avez mangé un cuisinier ou quoi? Oui, silence, monsieur. Oh, monsieur, venez. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'autorisation. Patron, vous pouvez rester dans le camp, mais sortez pas, c'est dangereux. Je vais sortir des aides. Oh mon dieu, bah ouais, je pensais pas ça comme ça, moi, je pensais que c'était pas. Ah oui, d'accord. Non, monsieur, moi je vais me battre parce qu'à chaque fois. Non, putain! Aïe, putain! Des aides. Derrière vous! Oh putain, bordel de merde! On se barre avec le 4x4. Oh putain! Non. Vous en faites pas. Ce sont des combattants expérimentés. Oh putain, j'avais pas vu, il était vivant lui. Y'a quoi maintenant? On aurait dû avoir une Tesla. Oh non! Oh c'est la merde. Ils sont rentrés ici. Ils sont passés ici. Méfiez-vous. J'ai plus de Kevlar bientôt. Mettez-vous en haut, je suis dans la merde. C'est rentré! Derrière toi. Oh, y'a des vaisseaux qui ont pété. Oh là là, le bordel. Derrière, il y a des araignées. Faut qu'ils arrêtent de. Faut qu'on se barre en 4x4. On est dans un camp protégé. Si on est au milieu de la route, Dieu sait ce qu'il y aura en ville. C'est qui? Je suis coincé. Mourez, monsieur, vous êtes sur une entité. Une entité démoniaque. Une entité de démon. Je vais crever, moi. Mais non, monsieur Wallace, mais si vous crevez, arrêtez de rusher aussi. Mais je suis le seul à défendre l'extérieur. Il n'y a pas besoin de défendre l'extérieur, faut défendre l'intérieur. Mais si, il y avait, je sais pas combien de gros trucs qui nous rushaient. À gauche, là, il y en a deux. La police est là. Police, sauvez-nous. Monsieur le policier. Oh la salope. Monsieur le policier, qu'est-ce que vous faisiez? Repli dans la base, c'est trop dangereux. Salopard de merde. La police était là pour nous aider, salaud. Monsieur les agents, c'est la merde. Les policiers, en panique. De faire spawn des zombies en bas. Oh le bâtard. Aïe. Monsieur les policiers, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il y a un mec qui passe en Ferrari, il est normal. Pour lui, tout va bien. Quelle est la situation en ville, monsieur les policiers? C'est la guerre en ville. Y a des aliens? La pick-up a réussi à venir ici, hein. Elle était. Monsieur le policier, décalez-vous, j'ai un sniper. C'est quoi? C'est les aliens qui nous attaquent maintenant? C'est quoi après? Courez. Ouf. Oh là là là. Rentrez, monsieur, si vous êtes pas armé, vous risquez votre vie. Ok, il faut que je couvre. Reculez derrière moi. Mettez-vous derrière moi et on recule doucement. Merci. Je vous voudrais ça un jour. Encore. Ah, oh, je suis pris une bastos. On risque rien. Voilà. Non, ça tire d'ici, tire au-dessus, mais c'est le médecin. Le médecin, il s'est fait éclater le pot. J'avais acheté ça au cas où. Non, pas ça. Rentrez dans la... Rentrez dans le bunker. Ok, on rentre. Rentrez dans le bunker. Laissez ouvert le bunker, je me sacrifierai. Oh. Les gars, je pense que ça va pas passer. Oh non. Oh non, j'avais pas le temps. Oh là là. Moi, je suis mort, alors là. Oh là là. Ils ont survécu en bas. Oh non. Alors là, non. Oh là là.
Je peux sauver personne, je crois. Personne n'est sauvable. Oh non. Ah si, on a une personne. Ça sera... Oh, deux personnes. Oh les gars, on sauve. On sauve, on sauve, on sauve. Je suis vivant. Oh, yes, merci, monsieur. Je suis vivant. Je suis coincé, mais t'es pas fait de la nous sauver. Je suis coincé. Je suis en vie. Okay, okay, bon. Oh le bordel, regardez le bordel dehors. Oh là 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 là. Et là, tout est bien qui finit bien. Le camp de survivaliste a servi à sauver peut-être les trois personnes. C'est déjà bien, trois personnes, c'est déjà bien. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais Oscar, il a pas compris que c'était à fin. T'as pas vu le carnage en ville, c'est la guérilla. Il y a du bordel partout. Stop, stop. Fini, Agasba, j'ai dit.